Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play de Marwa. Alors, on retrouve nos amoureux, Marwa et Caleb, en train de peindre. Et il y a les chats qui crient. Ouais, les chats qui crient. La petite Azénor dort, nous sommes jeudi. Tu veux prendre l'avion, Apollon? Alors, il va être compliqué. Qu'est-ce que t'as, toi, là? C'est pas... Ah, c'est joli ce que tu nous fais, Marwa, dis donc. C'est quoi comme toile? Classique moyenne. Chef-d'œuvre. 1600. Ouais, voilà. Elle est jolie, hein. Franchement, elle est jolie. Tu vas nous en refaire une paysage. Allez. Bah, ton talent, ça peut être que joli. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Va demander à Caleb, s'il te plaît, ce qu'elle me gonfle, là. Toi, t'as fait une super toile, 270 infuses. Ah, elle veut prendre la fusée. N'oublie pas. Bah, c'est là, espèce d'idiote. Tiens, Namishima. C'est rempli à bord, là, tu vois pas? Vous êtes trois chats, hein, maintenant, donc on peut pas se permettre qu'il n'y ait pas de croquettes, hein. Tiens, tu vas t'occuper... Tu vas récolter les plasmas fruits. Et d'ailleurs, son aspiration n'a toujours pas validé. Ça va tout soit bien. Ça fait trois semaines que ça n'a toujours pas validé le dernier jour. On est content qu'elle est bout pour l'instant. Ne peut pas... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ne peut pas gagner ça. Comment dire? Oh là là! Ça... Son aspiration! Je suis désolée, je bafouille. Qui c'est qui... C'est toi encore? Mais t'es conne ou quoi? On t'a mis des croquettes là. C'est bon, hein? Faut pas me casser les pieds. Hein. Comment ça va, Calibou, aujourd'hui? Ah, tu sais ce que tu vas aller voir? Tu vas aller voir ton fils. Tu vas parler à ton fils. Tu vas le donner et tu vas le percer. Est-ce que ton fils... Ton fils. Est-ce que ton fils te ressemblera? Haha, bonne question. Coucou petit Aidan, ça va mon petit Aidan? Quand est-ce que tu grandis Aidan? Bientôt j'espère qu'on voit un peu ta bouille. Ta bouille de bambin. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh elle porte sa fille. Oh les deux parents adorables. Ouf. Ok. Ah bah ça y est. Franchement c'est Sims là, on fait rien, ils font leur life. Poum! Allez! Elle a mis plein d'eau dehors, alors que, oui, ça fait comme s'il y avait un sol, alors qu'il n'y en a pas. On est toujours en été, il fait chaud. C'est bientôt la fin de l'été aussi, on va passer à l'automne. Eh ben déjà. On est passé par des canicules, quand même. Bah, tu peux faire des longueurs, si tu veux. Allez, fais des longueurs. Non, 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 pas d'ordi, tu fais des longueurs. Et après, tu essuieras. Mon abbé Shima, qu'est-ce qu'il y a? Tu me pètes les noix, là. Qu'est-ce qui va pas? Avec sa fille. Arrête de danser, Caleb. Elle a encore faim, mais... Il n'y a jamais rien qui va avec elle. Casse ses couilles, hein, cette chatte. Mais... T'es con ou quoi? On t'a mis une gamelle, espèce d'idiote. Tu veux quoi? Oh non, v'là que Athéna elle a ses chaleurs aussi. Oh. Ah bah y aller. Casse les pieds, Nabeshima. C'est bon, tu vas pouvoir y aller ou quoi? Caleb. Caleb, t'es bloqué. Ils sont tous buggés. Ils vont me casser les pieds, mais un truc de fou, quoi. Ah, vous me saoulez. Ouais, allez, je m'en fous. Tu vas manger un coup et puis tu vas nous refaire une toile. Abstraite, à 100 boules. Allez. Elle fait des longueurs. Tu sais que tu peux faire évoluer ton plasma fruits.
Voilà, elle fait ses petites longueurs. T'es contente? Ah oui, nage relaxante. Bon, bah écoute, tant mieux. Tu sors, s'il te plaît? Tu vas manger? Tu vas me prendre une petite douche, tranquilloute. Mais elle est buggée, cette chatte! Zou! Ah oui, non, elle est là. Bouge ton cul de là, Nabeshima, tu me saoules. Oh là là, soin donné aux animaux. Mais non, mais de toute façon. Vas-y, va lui demander à elle ce qui va pas, parce que c'est bon. J'en ai marre, là. Va me casser les pieds, du début jusqu'à la fin aujourd'hui, ça va être bien. Elle prend pas à prendre l'avion, on est d'accord, on a compris. Casse les pieds! Tu me casses les pieds, Nabeshima, mais alors, d'une force, t'imagines même pas. Vas-y, va embrasser ta chatte, là. Ah, on va recevoir des nouveaux trucs. Et après, t'iras vendre ta toile à 729. Mais à la fin! Et je vais péter un câble. Vas-y, tu me saoules, Nabeshima! Va là-bas. Va là-bas. Où tu veux, je m'en fous. Et tu vas l'appeler elle. Vas-y. Qu'elle se bouge le cul. Non, elle peut pas bouger, elle est coincée. Ok, super! Voilà, tu veux bouger ton cul maintenant, la chatte? C'est bon? Mais bon sang, bonsoir quoi. Oh là là, ça commence cet épisode-là. Ah, j'entends Azenor qui est debout. Va ma belle. Va manger, hein. Tu te douches, tu manges, tu fais ta vie de petite humaine, puisque pour l'instant tu es encore humaine. Et on verra après ce qu'on fera de toi. Et par contre, tu vas pas à l'école en pyjama aujourd'hui. Je refuse que tu... Bah non, parce que tu vas te laver logiquement si tu te laves, parce que je suis pas sûre que tu te laves vraiment. Hein. La dernière fois, tu voulais pas te laver. Et t'as été à l'école en pyjama, donc... Qu'est-ce qui se passe? Premier épisode de la saison d'une série. Ok. On s'en fout un petit peu, non? Elle m'énerve. Qu'est-ce que t'as encore, Nabeshima? Putain! Encore sa litière. Oh! Mais on vient de la nettoyer, ta litière de merde! Il me casse les couilles! Va te faire foutre! Oh, chiotte! Allez, Marois. Petite toile classique, là, sans boule. Allez, hop. Toi, tu fais quoi? Tu t'es sur l'ordi? Ah mince! Il y a Eden qui va pas bien! Bah ouais, attends, on va le nourrir au biberon, on va le bercer. On va lui parler. Allez, ouais. Parce que là, on n'a pas l'assistant. Il est plus là, l'assistant. Oh, pauvre petit bichon. Okay, j'ai un chat qui est bleu ici. C'est qui ça? C'est Athéna. Ok, très bien. Elle mange son gâteau. D'accord. Oh, attendez. Là, quand elle passe derrière un poteau, Azenor, elle a plus de cheveux. Attendez. Ah non, ça marche plus. Ouais, si. Bref, on s'en fout. C'est la magie des CC. Voilà, t'as bien bercé ton petit garçon. Ah bah, il est retourné. Il est retourné à l'ordinateur.
Elle est où? Ah, c'est enfin calmé? Ouais, c'est bon. Elle a enfin fait son caca. En fait, elle était juste constipée, mais elle a fait croire que c'était pas le cas. Est-ce qu'on a reçu le courrier? Non, pas encore. Est-ce qu'on a des trucs à... ouais. C'est bon, on n'a pas encore reçu tout ce qu'il nous fallait. Donc on va attendre, tout simplement. Bon, Zenor va en cours et... Alléluia, elle s'est habillée aujourd'hui. C'est quoi cette musique de daube? Hop! Et tu vas te faire des amis un peu, ma cocotte. Qui c'est qui est passé? Quoi? Hein? Quoi? Hein? Ah, c'est Marois. Marois, toujours la plus rapide de l'univers. Tu vas vendre ça. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, dis donc. Très chaud, mais beau. Et il fait pas... Voilà, il pleut pas au moins. C'est ce que... On va se bouger un peu le derche, non? Allez, on va bouger. On va aller, je sais pas encore où. On va peut-être se balader dans un parc. Ce sera toujours ça de fait. Oh, Sonia Gothique, elle a sorti la petite capine. Elle est magnifique. Comment? Mais de quoi la... Mais elle a même pas été en cours. Mais c'est quoi ce délire encore? On est à Forgotten Hollow. Et au moins ici, il fait nuageux, le soleil ne perce pas. Je crois que je suis jamais vraiment venue ici, moi, à part quand Marois s'est fait vampiriser par Caliboo. Waouh! C'est beau! Et par là, on va. Je sais pas. On va à un pont. D'accord. Ah, il y a des petits trucs à creuser. On va peut-être creuser un peu. Oh, c'est beau! Oui, je sais, je découvre 10 ans après. Eh, pourquoi il y a un lampadaire qui est par terre? C'est drôle! Oui, alors je découvre 10 ans après tout le monde, je pense, ce monde, mais... ouais, non, mais je savais pas trop où aller. Et il me semblait qu'il y avait un truc à découvrir, mais franchement, je sais plus, quoi. Là, c'est la question... Ouais, c'était sur cette île, ici. Je suis pas sûre qu'on puisse faire quoi que ce soit, mais... Attends, d'accord, ça... Oh! Oui, en fait, il y a une truc dans l'eau, d'accord. Mais de toute façon, même si... Ah non, bah non, je suis con parce que nos Sims, ils peuvent pas venir jusqu'ici. Ils peuvent pas nager jusqu'ici. Caliboo, est-ce que tu peux tenter de pêcher? Si, il y a une... Il y a une tombe. C'est très très... Ah non, c'est là aussi qu'il se passe un truc. Il y a rien à faire. On peut admirer, mais il y a rien à faire, quoi. Ouais, bah c'est dommage en fin de compte, hein. Là par là on peut rien faire. La maison de Ladislaus, elle est. Ah bah elle est là. Avec les chauves-souris et tout. Ah c'est trop sympa. Ouais, je pensais qu'il y avait peut-être un truc à découvrir, genre une grotte, un truc. Mais je suis pas sûre au final. Ah, la place ma fruit sauvage. Comme on a déjà un à la maison. Je pense pas qu'il y ait des trucs à voir ici. Hein. Ah si! Regardez! Ah mais non, en fait... C'est juste un truc comme ça, on peut pas rentrer dedans. Ouais, il y a un pont! Ah oui, mais d'accord, en fait, ce pont, il nous mène nulle part! Oh bah c'est la tristesse! Bon, on serait bien allé voir Lilith. Où est-ce qu'elle est, Lilithoun? D'accord. Lilith n'est pas chez elle. Hein? On est d'accord. Ok. T'es où, Caleb? Ah oui, c'est vrai que tu pêches. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à faire ici, de toute façon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu discutes au téléphone? D'accord. On sait pas avec qui, mais ouais. En fait, là, on se fait yesh, y a rien à faire. C'est un peu triste. C'est complètement triste, même, je dirais.
C'est très très triste. J'aime trop, n'empêche, les petits chemins comme ça. Mais on peut pas faire grand-chose. C'est dommage, ce gros arbre-là, non, on peut rien faire. Bon, ok. Allez, on va se bouger le fion et on va aller ailleurs. Je savais pas trop où aller. On va aller dans un parc, genre à Willow Creek. Je pense que c'est le plus facile à faire. Voilà, Magnolia Blossom. Alors, maintenant, c'est quoi faire? Quoi faire? Quoi dire? Voilà, faites des mamours, vous avez l'habitude, de toute façon. Il fait beau. Qui tu? Pedro Vidal. Pedro, on a oublié tes cheveux ou. Oui, non, ça va. Ça lui va bien, on va rien dire. On va aller faire du roller! Personnaliser la pièce sonore, la piste, dessiner les effets, définir la musique. Allumer. Disco moderne. Ah, c'est trop cool! Invité à patiner. Ouais. Viens dès les enfants, on va patiner! Allez. Oula! Le bug. On va suivre Marwa. Bah, on dirait qu'elle a fait ça toute sa life, hein. Elle va tellement vite! C'est excellent. Je suis incapable de faire ça, hein. Je me casserai la gueule en moins de deux. Parce qu'en fait, toutes les petites patinoires comme ça vont popper un peu partout dans le monde. Donc il suffit d'aller se balader et on tombe effectivement dessus. Donc c'est hyper sympa. Caillebout aussi, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. Ah bah, ah, j'allais dire, ils se cassent pas la gueule les deux, ils sont parfaits, quoi. Non, mais en fait, non, ça va. Ouh, la canicule aujourd'hui. Faut faire gaffe à ce que ils crament pas. Bon, ils sont insensibles au soleil comme vampires, mais je commence à avoir le tournis moi. La musique est hyper sympa. Tu vas te changer parce que sinon tu vas avoir trop chaud, Calebout. Tiens, hop. Tu vas venir là? Et tu vas aussi te changer. Hop, hop. Oh, c'est vrai! Ah, elle est belle, Marwa. Patiner, va retourner un peu patiner. Et toi aussi. Hop! Hop! Voilà, comme ça, ils seront plus à l'aise. Excellent morceau, écoute de la musique, badinage et moustillant. Aime la solitude. Objet à collectionner obtenu, d'accord. Wow, Caleb! Oula! Alors, en tout cas, c'est hyper sympa. Et il y a d'autres trucs en fait qui sont popés comme ici. Là, on peut commander une boisson fraîche, une citronnade en fait, c'est hyper sympa. Et normalement, il y a aussi tous les bacs à faire des trucs d'eau là pour se batailler avec des trucs d'eau. Il faut les trouver, je sais pas où ils sont. On va bien finir par tomber dessus à un moment donné. Ah, il y en a un ici. C'est parfait, on va pouvoir remplir de pompes à eau. Calebout, tu peux venir ici aussi. Stop. Viendez les enfants. Voilà. Ouh, la pauvre. Elle. Est-ce que t'as pas encore un truc de la jungle là qu'on pouvait se laver Tu vas prendre une portion parce que t'avais l'air d'avoir soif. Ça. Chute d'eau en bouteille. Allez, utilisez chute d'eau en bouteille. Comme dans la jungle. De toute façon, je vais les renverser dans la jungle, 1 de ces 4, hein, vous inquiétez pas.
Ça me manque beaucoup. Ils iront avec leurs enfants. Regardez, elle se lave. Elle se sent mieux, ça a remonté son truc. Et alors, faire une bataille de pompe à eau avec Caleb. Voilà. La dernière fois, c'est ce que je voulais faire, mais bon, comme il n'y avait plus toute la journée, on n'avait rien pu faire de sympa, quoi. Oula, mais ils ont des téléportations. Ah, c'est raté. Regardez-moi cette beauty. Beauty girl. T'es nul. Ah, il t'a eu, nananère. Elle fait pas la gueule, Marwa, c'est bon. Mince! Parce qu'en fait, je voulais faire une photo. Mais je sais pas trop comment faire. Faudrait que je sois à ras le sol. Mais là, on voit pas trop, mais. En tout cas, il est meilleur à en lancer qu'elle. Hein. Pff, t'es nul, Marois! Il est mort de rire, lui! Qui est con? Ah, toujours pas! T'es nul! T'es nul, Marois! Bah, bouge, Coco! Ok. Ah, mais jouez, hein! Allez-y! Faites foutre une bataille, hein! Moi, ça me fait rire, hein, de vous voir. On va voir si Marouette est toujours aussi nulle. Boum! Il est mort de rire. Bataille de Bombao. T'es nul, Marois! Nyeh! D'accord. C'est à qui de lancer? C'est à qui de lancer, les gars? Allez, on se dépêche. Alors, on va peut-être amener un Zénor ici. Hop. Amener un Zénor ici. Ok. C'est pas du tout buggé comme jeu. La 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 l'air. À Zénor. Et demander à l'accueil. C'est une blague. Qu'on s'amuse aussi avec la petite, quoi, histoire de. Ah! Raté. Ah non! T'as perdu ton mojo, Caleb. Alors, non plus. T'es nul, Marois, tu l'as pas eu une seule fois. Allez, appelle ta fille. Appelle ta fille. Allez, mais vous êtes buggé! Qu'est-ce qu'il fait? Azenor, Vatore va arriver. Bah oui, bah j'espère. Parce que c'est complètement buggé là. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Oh, non, mais... Un peu sexy. Baiser passionné. Azenor, c'est quand tu veux. Je vous jure. Ça ne fonctionne plus ce jeu. Caleb, il dit oui, moi aussi je vais utiliser ça. Bon, alors par contre, Azenor se pointe pas, donc c'est nul. Je comprends pas. Ça ne marche jamais avec moi, j'en ai marre. Allez. Avec d'autres gens aussi, on sait pas qui c'est, mais on y va. Bah, Azenor, viens quoi, putain!
Mais viens ici, cocotte. Ça ne fonctionne pas, ça me gonfle. Oh, déjà qu'elle n'a pas été à l'école, on ne sait pas pourquoi. Ah non, mais franchement, là... Viens ici. Oh, je laisse tomber, ça m'énerve. Allez, hop, vous arrêtez les pompes à eau, c'était bien sympa, mais on s'en va, nous on rentre à la maison. Il y en a assez. Voilà, Caleb, on rentre chez nous. Ah bah merci à Zenor de nous avoir fait part de ton pipi. Ok, on va aller du coup, on va faire ça chez nous-mêmes, chez nous, l'histoire des trucs là. Les ballons. Pourquoi on a ça? Je sais pas. Non, c'est plutôt activité d'extérieur. Ouais. Voilà. On va le mettre là. Et on va faire une bataille à la maison. Nous-mêmes. Regarde les chaînes pour enfants. Non, tu vas remplir de bombes à eau. L'esprit de Steven. Oh, Steven! La tristesse. Courir vampiriquement ici. Et toi, ma cocotte, tu vas venir aussi ici. Dépêche-toi. Vous allez jouer tous les trois. Faire une bataille de bombes à eau. Tac, tac. Allez, quand même, hein. Tout ce qu'il faut pas faire, c'est la galère. Allez, dépêche-toi, Zenor. T'es pas encore une vraie vampire, hein. Vous allez jouer maintenant? Allez, qu'on rigole. Pardon, excusez-moi. Pour l'instant, t'es pas terrible, hein. Calibou. T'es nul. Femme, les femmes contre les hommes. Ah, elle se l'est pris en pleine tête. Allez? D'accord. Paf! Allez, tiens! Bravo Marois, t'as réussi à faire la voir parce que, bon, tu l'as eu, il était à 2 mètres de toi, enfin un peu plus, 3-4 mètres. C'est bien fait. Voilà. Mais pourquoi il s'en va? Mais il va où? Mais non, viens jouer! Oh là là. Chanter une chanson de jour férié. Mais c'était férié? Je comprends rien, moi. Jour férié? Genre, on va pas à l'école ou au boulot parce que... Ah, il va devenir grand. Parce que y a le nouvel épisode de série, quoi. C'est n'importe quoi. Tiens, Marois, dans ta tête. Elle est morte de rire, la petite. Oh, Marois, c'est un jeu. Eh ben non, t'es toujours nul. Et ouais, t'es nul, Marois, qu'est-ce que je te disais? Bon, vous allez regarder le film, en tout cas, enfin, la série, là, je sais pas quoi. Vous allez regarder ça tous ensemble? Je sais pas comment... Ah! Ah, c'est Orange is the New Black. Pêche is the New Orange. Allez, on va regarder ça. Je suis pas sûre que ce soit pour la petite aussi, mais bon. C'est ça que tu regardes? Non, mais juste 3 ans à arriver. Alors, je vous confirme que ce n'est pas Orange is the New Black. Hein, là, c'est un truc de momie. Ça n'a rien à voir. Oui, bon, au moins, ils auront regardé la série. Oh, le chat est en train de faire ses griffes. Il le voit en plus, Caleb. Ça m'en est à propos de faire ses griffes. C'est le gosse! Apollon! Ok! Il le fera plus. Tant mieux. Il y en a encore un qui... J'en ai marre de vos des chats. Aiden, il est hyper calme, hein. Oui, on l'entend pas, hein. C'est cool. Bon, bah, en tout cas, il regarde la télé. Tout va bien, quoi.
Voilà, c'est validé pour Caleb. C'est pas encore validé pour Marwa. Ça y est, c'est validé pour Marwa. Et elle continue de le regarder alors que les autres ont fini de le regarder. C'est logique. Oh, le bisou. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les deux. Partager l'esprit du jour férié, machin. D'accord, si tu veux. Essayer de faire un bébé dans le placard? Non, 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 non. On a deux enfants, c'est bien. On n'ira pas plus loin. Surtout que toutes les personnes qui me demandaient de faire un bébé avec Marwa, hein, eh ben, ils sont plus là aujourd'hui. Hein. Maintenant, il y en a deux, ils s'en foutent. Hein. Personne m'en parle. Tout le monde, personne me dit oui, Azenor, elle est mignonne, tout ça. On est contente, Azenor et Aiden. Ben non, tout le monde s'en fout. Donc, hein, moi, je veux pas en faire trois, hein, en tout cas, pas pour l'instant. C'est comme ça! La petite va peut-être faire ses devoirs. Marwa, tu vas l'aider à faire ses devoirs. Voilà. On va regarder s'il y en a reçu le courrier ou pas. Ouais. Caleb, tu vas pouvoir faire les objets. Tu vas manger. Tu vas manger. Et on a dû recevoir. Ouais, les trucs. Okay. Admirer un nouveau bien. Et authentifier un objet ancien. Hop. Voilà. Il est content. Oh, j'ai une nouvelle table d'archéologie. Oh, je suis content. Et on arrive quand même bientôt à l'automne. Azenor a fait ses devoirs. Voilà. Tu vas pouvoir manger un petit peu, la petite. Qu'est-ce qui se passe? Super fête, une boîte de nuit. Non, ça ne nous intéresse pas. Marwa, tu vas manger aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Nabeshima, la rue. Voilà. Et après, tu iras peut-être coucher la petite. Tu iras l'aborder. Mettre Azenor au lit. Comme ça, au moins. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Il faisait des bêtises? Oh, putain, mais Aidan! On oublie tellement que t'existes, en fait, tellement t'es calme. Franchement. Super. Non, on va pas sortir. Hop. Lui, il fait son truc. Qu'est-ce que fous-moi le miaule, elle, tu te crois où? Et eux, c'est en train de se chamailler. Ils sont trop choux. C'est beaucoup trop mignon. Va aborder ta fille, Marwa. Ouais, voilà. Qu'on regarde ça si t'es une bonne mère. Elle va tellement vite qu'elle est avant sa fille. Allez, au lit! Mademoiselle Azenor, va-t'ore. La petite, elle peut plus, elle est trop contente. Allez, au lit! Alors, l'objet est authentique pour Calebout. C'est parfait. Très bien. Voilà, et elle dort. Eh ben, c'est parfait. Tu vas peut-être envoyer l'objet. Envoyer l'objet. Voilà. Pouf. Bon, on est déjà payé 3 299. Tu vas remanger un coup. Marwa, elle pourrait peut-être le faire. Non. Tu vas le donner à Marwa, le truc que t'as en plus. Donc, je sais que ça a été donné à Caleb, mais. Je veux que Marwa le fasse aussi. Authentifier un objet ancien. Voilà, tu vois, tu vas faire le masque. Voilà. La petite vie des Vatore. Et Aidan dort. Hey! C'est qui? C'est Athéna. Il le voit en plus, Galeb, hein? Il le voit tout de suite quand elle fait ses griffes. Engueule la chatte au lieu de jouer. Que Athéna, elle va la prendre. Non. Bon. Si toujours ça te fait, en tout cas. En tout cas, Apollon, il le fera plus. Compétence 5, niveau supérieur. Tout va bien. Ok! Bon, bah, de toute façon, on va attendre qu'elle analyse le truc Marwa. Et après, on va se quitter là-dessus.
Ben voilà! Le voilà qui pleure! Eh, viens, Calebout, tu vas t'occuper de ton fils. Eh, dépêche-toi, dépêche-toi! Non, 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 mais, eh! Joue pas! Joue pas comme ça! Car l'amour, ça plaisante pas. Caleb! Putain de merde! Tu te dépêches! Alors, c'est authentique pour Marois. Oh, j'en peux plus des cris là. Ok, Marois, c'est cool, tu vas pouvoir renvoyer l'objet. 4675, elle touche beaucoup plus Marois, donc c'est cool. Voilà, le petit, il est calmé. Tu vas pouvoir embrasser langoureusement ta femme. Non, pas de bébé. Non, pas de bébé. C'était quoi le truc, se plaindre? Un bon ami de Caleb. Ok, très bien. Retourne ton canapé, cocotte. Non. Ben oui, parce que vous êtes plus assis. Va t'asseoir. Et va t'asseoir. Allez, vous ca cassez les pieds. Dépêchez-vous, on va dire au revoir. Oh là 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 là, c'est vampire. Voilà. Oh, amour. Là. Voilà. Voilà. Allez, les amoureux. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter sur les amoureux qui font des bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il était un petit peu bizarre avec les bugs. J'ai pas eu un lieu de bugs. Mais bon, c'était sympathique à faire. Et après, ce sera plus intéressant parce qu'Aiden va grandir. Donc, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Marois ou d'autres choses. Allez, salut, chez petit cul.